Je pense qu'on peut commencer. Donc, ce soir, notre intervenante est la présidente de la section des arts modernes du Musée Paris-Louvre, Marie-Louise Bernadac. Je lui souhaite la bienvenue. Et ce soir, elle va nous faire une conférence sur le titre de Picasso, le peintre comme modèle. Elle a fait plusieurs travaux sur l'art moderne à Paris et a également des études sur Picasso. Donc ce soir, je suis persuadé qu'elle va nous faire une conférence extrêmement intéressante. Je voudrais juste vous rappeler de contrôler que vos téléphones mobiles sont fermés car les fréquences dérangent le système d'interprétation. Donc veuillez s'il vous plaît contrôler une fois de plus vos téléphones cellulaires. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. J'y vais. Je commence. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous et de découvrir Picasso à Istanbul. Pour compléter un petit peu ma carrière, j'ai en fait je me suis occupée de la préfiguration et de l'ouverture du musée Picasso de Paris. Donc, j'ai travaillé pendant 12 ans sur ce nouveau musée Picasso à Paris qui, comme vous le savez, a eu la chance de pouvoir avoir toute la collection personnelle, les Picasso de Picasso, donc ce que Picasso avait gardé toute sa vie. Et je travaille actuellement au musée du Louvre. Après avoir travaillé au Centre Pompidou pendant aussi une dizaine d'années, et la conférence que je vais vous faire ce soir est le résultat d'une exposition dont j'ai été le commissaire en 1987, qui s'intitulait Le dernier Picasso, et qui avait eu lieu également à la Hayward Gallery à Londres, sous le titre de Late Picasso. Donc, ma conférence s'intitule La peinture comme modèle et concerne donc les 20 dernières années de la vie de Picasso de 1953 à 1973, date de sa mort. À force de peindre la peinture de la peinture, Delacroix, Velázquez, Manet, ou bien encore l'exercice de son rituel, le thème du peintre et de son modèle, Picasso en est arrivé à l'invention d'une autre peinture, à la création d'un nouveau langage pictural. Dans les 20 dernières années de sa vie, Picasso prend véritablement la peinture comme modèle, comme sujet, de la même façon que, je cite Paul Valéry, l'écrivain en vieillissant prend pour sujet l'écriture. Qu'il s'agisse des variations sur les maîtres du passé, du lieu de la création, l'atelier, du modèle, la femme, le nu, du peintre, jeune ou vieux, barbu, avec ou sans palette, travesti ou mis à nu, toutes les œuvres de cette période se rattachent à un thème, le peintre et son modèle. Ce thème lui permet d'illustrer le mécanisme de la création, la relation qui se joue entre les trois protagonistes que sont l'artiste, le modèle, la toile, c'est-à-dire le sujet, l'objet, le verbe et les mille façons de le conjuguer. Dans ce corps à corps avec la peinture, dans cette tentative acharnée de résoudre l'éternel conflit entre l'art et la vie, le réel et l'illusion, il semble que tout à coup, Picasso soit passé de l'autre côté de la toile, comme de l'autre côté d'un miroir, et se soit identifié à son objet.
La peinture règne alors en maîtresse absolue durant ces dernières années. Peinture vivante, organique, souveraine, puisqu'il ira jusqu'à déclarer dans un bouleversant et lucide acte de reddition, la peinture est plus forte que moi, elle me fait faire ce qu'elle veut. C'est cette phrase que vous voyez inscrite sur un carnet donc de 1963. Une telle personnification d'un moyen, d'un intermédiaire, comme si la peinture était une personne, qui renverse les rapports entre l'artiste et son œuvre au point que l'homme est tout entier dans la peinture et que celle-ci semble vivre de sa propre substance, s'auto-générer, donne la mesure et l'enjeu de cette dernière période, tout en nous apportant des éclaircissements sur la structure psychique de Picasso créateur. La révolution esthétique et formelle de ces dernières années, aussi fondamentale d'une certaine façon que la révolution cubiste, fut peu comprise à l'époque. Elle trouve depuis les années 80 un écho dans la peinture contemporaine et se révèle par là être une des clés du devenir de la peinture de cette fin de siècle. Picasso, on l'a souvent dit, ouvre et ferme le XXe siècle. Donc ce dernier Picasso, que l'on traduit en anglais par « late Picasso », met également l'accent sur la notion d'œuvre tardive, de renouvellement ultime d'une écriture picturale. Est-ce l'apothéose, le saut vers le futur, ou bien la décadence et la régression? Les styles tardifs des grands peintres s'inscrivent en effet souvent dans un de ces deux schémas. Picasso est-il comparable à Titien, Rembrandt, Cézanne ou Matisse, ou bien plutôt à Picabia, Quirico ou Derain? L'extrême fin de sa vie est-elle maturité, dépassement ou bien déclin et obsession? Les critiques de l'époque, donc lorsqu'il montre ses tableaux au Palais des Papes à Avignon en 1973, furent très féroces. On parla de barbouillage, de sénilité, d'impuissance. Pourtant, à plus de 90 ans, Picasso continuait à gêner et à bousculer les idées reçues. Donc, cette dernière période de 1953 à 1973 est inaugurée par une série de dessins publié dans la revue Verbe sur le thème du peintre et de son modèle. Vous voyez ici un dessin où le peintre est plutôt l'homme assis face à une jeune fille avec singe et pomme, jeune fille qui fait allusion à Françoise Gillot, sa femme de l'époque qui le quitte. Et donc et ce départ va provoquer une grande crise personnelle et esthétique chez Picasso. Un autre dessin de la série de Verbe où on voit donc une femme peintre, donc allusion à Françoise Gillot qui elle-même était peintre, et le nu dans l'atelier. Mais cette série n'existe qu'en dessin. Et vous, dans l'exposition, certains petits dessins avec un style très sténographique de crayon de couleur font partie de cette série donc de 1953. Dans ces 20 dernières années, les 10 premières années apparaissent comme une récapitulation, une synthèse de tout son passé, qui se traduit par une réappropriation de la peinture ancienne, l'incitant à une relecture du cubisme, conjuguée aux déformations plastiques des années 30. Tandis que les 10 dernières années peuvent être perçues comme le franchissement des limites, la libération de tout savoir, de toute technique, le retour au naturel, à la spontanéité, à l'enfance de l'art, à une peinture primaire, immédiate, sauvage. Tout se passe comme si après avoir passé en revue son passé, reçu l'alternative, c'est un terme donc de la corrida que je vous expliquerai, de ses pairs, affronté le nœud de la création, Picasso, libéré de tout obstacle, retrouvait un nouvel élan vital, la puissance de l'érotisme, et atteignait enfin l'extase. La période donc de 54 à 63 est tout entière sous l'emblème de la peinture du passé, du recensement de ses propres ressources picturales ainsi que celles de ses contemporains Matisse et Braque. Picasso analyse, décompose et recompose sans fin les chefs-d'œuvre des autres,
les digère pour les faire sien. Ce cannibalisme pictural est sans précédent dans l'histoire de l'art. Certes, de tous les temps, les peintres, et Picasso le premier, ont eu recours aux images du passé, ont puisé des motifs, des formes dans le dictionnaire de l'art universel, pastiches, copies, paraphrases ou citations. Mais l'opération entreprise par Picasso avec les grands cycles exploratoires d'après Delacroix, Velázquez et Manet est d'une toute autre envergure. D'une toile, il en fait 100 dans la fièvre, épuisant toutes les possibilités offertes, cherchant à vérifier son écriture, à tester le pouvoir de sa peinture sur des sujets donnés. Pourquoi, à ce stade de son évolution artistique, ce besoin du retour au maître, à la tradition? Les causes en sont multiples. Hasard d'une ressemblance, suggestion d'un lieu, mais surtout nécessité d'une confrontation avec la grande peinture, défi lancé à l'histoire, conscience enfin d'avoir un devoir à accomplir, un héritage à assumer et à dépasser, afin de relancer la peinture sur d'autres voies. Ce sont les motivations personnelles, mais il y a également le contexte historique. Celui de l'apogée de l'abstraction, à laquelle Picasso résiste depuis toujours, l'ayant lui-même en partie fomenté. Et surtout, en 1953, c'est l'année de la disparition de Matisse, l'ami, le rival, avec lequel il entretenait depuis le début du siècle un dialogue ininterrompu et fructueux. Picasso se retrouve désormais seul, à porter le devenir d'une peinture issue de la Renaissance, révolutionnaire à l'aube du XXe siècle, puis obstinément figurative. Le coup d'envoi de ces grands cycles d'après les maîtres du passé est donné avec Delacroix et le tableau des femmes d'Alger. Picasso en fait pensait depuis très longtemps à ce tableau. Françoise Gillot raconte qu'il allait souvent au Louvre voir le tableau et qu'il dessine dans des carnets de croquis les premières esquisses des femmes d'Alger. Puis il rencontre Jacqueline Picasso, donc l'odalisque absolue par son physique, son étrange ressemblance avec l'une des femmes du tableau, son tempérament, son calme et sa sensualité. Picasso retrouve avec elle, après les orages dus au départ de Françoise, une sérénité épanouissante qui lui redonne goût et appétit de vivre, d'aimer et de peindre. À ce choc affectif s'ajoute celui plus déterminant encore de la mort de Henri Matisse en novembre 1954. À sa mort, dit Picasso, il m'a légué ses odalisques. Il dit également, je me dis quelquefois que c'est peut-être l'héritage de Matisse. Et en parlant des femmes d'Alger, il dit, en somme, pourquoi est-ce que l'on n'hériterait pas de ses amis? Les odalisques de Matisse ne représentent pas seulement le mythe de l'Orient, du harem, de la volupté sensuelle et colorée, c'est aussi le problème de l'intégration d'une figure à un fond ornemental. Picasso donc reprend le travail entrepris par Matisse dans les années 20 et développe l'idée, amorcée par Delacroix, de deux versions différentes d'un même tableau. Il s'enferme donc 3 mois dans l'atelier sévère des Grands Augustins et peint d'emblée 2 variantes de la même version. La première variante qui est grise, monochrome, et l'autre variante que vous voyez à droite, qui est une version colorée. Et vous voyez la grande figure de l'odalisque donc, qui évoque Jacqueline. Ce travail sera pour lui l'occasion d'approfondir le langage cubiste, de développer la simultanéité des points de vue du corps, qu'il contraint à se présenter allongé à la fois sur le dos et sur le ventre, tout en respectant sa cohérence anatomique, en ne le disloquant pas comme il le faisait auparavant en plans successifs. Picasso s'en donne à cœur joie, laissant surgir un érotisme agressif et joyeux, bien loin de la sensualité feutrée du harem. Il malaxe les chairs rebondies, les plis d'un pinceau souple et délié, aux caprices des torsions, de l'arabesque, puis les casse, les contraint dans une géométrie rigoureuse d'angles aigus, de facettes à volume issues du cubisme, comme le montrait cette première version donc, grise.
Le travail des femmes d'Alger a permis à Picasso de puiser et d'épuiser ses ressources picturales sans se préoccuper du sujet et de concevoir son œuvre comme un tout, un ensemble, et non comme une succession de tableaux uniques. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe d'une version à l'autre, les modifications, les métamorphoses. Vous comprenez, dit-il à Canveller, ce n'est pas le temps retrouvé, mais le temps à découvrir. En fait, les femmes d'Alger ne sont qu'un hommage iconographique à Matisse, car elles restent dans leur vocabulaire plastique totalement picassienne. Le vrai hommage pictural à Matisse se fera dans la série de l'Atelier, comme vous le voyez dans l'Atelier de la Californie, où on retrouve les motifs décoratifs issus de Matisse, la toile blanche au centre de l'atelier, des motifs orientaux avec le plat mauresque à gauche, et à droite, vous voyez sur une toile de nouveau cet odalisque. Donc, en 1955-56, Picasso va donc une série d'ateliers, toujours d'inspiration matissienne, et la fin est de plus en plus d'inspiration espagnole. On le voit dans ses couleurs brun gris de l'atelier dans un cadre peint du 2 avril 1956. Cet intermède de l'atelier va lui permettre de passer à une autre grande variation et de faire rentrer le peintre dans l'atelier. Et pas n'importe quel peintre, puisqu'il s'agit de Velázquez. Donc la deuxième variation est d'après les Ménines de Velázquez. Velázquez est un peintre que Picasso vénérait depuis toujours. Velázquez première classe, écrit-il dès 1897 à un de ses amis, après une visite au Prado. Il va s'attaquer aussi à une toile très célèbre, puisqu'il s'agit du chef-d'œuvre de la peinture, un tableau très troublant qui dévoile le secret de ses fondements, qui est les Ménines. Tableau miroir, tableau piège, jeu de reflets, inversion des rôles, des regardés du regardant, cette toile ne pouvait que fasciner le peintre de la peinture. Picasso, en peignant ses propres Ménines, s'inscrit en fait comme le dernier reflet du jeu du miroir mis en place par Velázquez. Il fait le tableau d'un tableau vide de ceux qui sont peints, le roi et la reine, dont vous voyez les petites silhouettes tout au fond, les Ménines au premier plan, à gauche, de façon très schématique, la toile. Cette autre version, qui insiste également sur les Ménines, montre toujours, au fond, dans la perspective, la petite silhouette du peintre. Donc, du 17 août au 30 décembre, enfermé dans les pièces vides et spécialement aménagées en atelier du second étage de la Villa La Californie, Picasso va exécuter 58 tableaux, dont 44 Ménines, 9 pigeons, un piano, 3 paysages et un portrait de Jacqueline. L'ensemble de ces Ménines se trouve maintenant au musée Picasso donc de Barcelone. Il va faire coïncider sur une même toile diverses écritures picturales qu'il va développer tour à tour, en privilégiant finalement une facture simple et dépouillée, comme vous le voyez ici, faite d'écrans de couleurs et de gros traits géométriques, une autre forme d'extrapolation du cubisme synthétique. Les couleurs sont vives, éclatantes, à base de rouge, vert, jaune et vif, tantôt sur fond noir, tantôt sur fond rouge. Après les Ménines, le troisième cycle très important est consacré à Manet. Donc, pourquoi Manet? Les raisons en sont multiples et claires. Manet représente une certaine forme d'espagnolisme. C'est aussi le peintre de la citation, le chef de file d'une révolution picturale et le père incontesté de la modernité. Manet le hantait en fait depuis longtemps. Mais dès 1929, il écrit au dos d'une enveloppe une phrase prémonitoire et lourde de sens. Quand je vois le déjeuner sur l'herbe de Manet, je me dis des douleurs pour plus tard. Picasso va être obsédé par cette toile du déjeuner sur l'herbe, sur laquelle il travaille avec acharnement à plusieurs époques et de façon totalement différente. Le déjeuner sur l'herbe lui donne en effet l'occasion de traiter, après des scènes d'intérieur, comme le harem ou l'atelier, une scène de plein air. C'est donc un hommage indirect aux grandes baigneuses de Cézanne et à la joie de vivre de Matisse. De là, il garde la tentative d'intégration du corps au paysage, la solidité architecturale, de l'autre, l'atmosphère pastorale et idyllique.
Picasso va représenter ces deux femmes nues sur toutes les postures, en les manipulant au gré de ses besoins. Les formes pleines, schématiques et découpées à l'emporte-pièce des personnages de Manet seront traduites par Picasso en sorte de haricots arrondis. En travaillant sur le déjeuner, Picasso arrive donc à inventer une nouvelle morphologie. Et curieux paradoxe, la peinture plate et silencieuse de Manet aura donné violet par Picasso à la peinture bavarde et au volume. Cette série débouche en effet sur une série de sculptures. La scène sylvestre, qui se transforme parfois en baignade, lui permet d'évoquer la lumière des sous-bois, le vert sombre et profond de la clairière. Cette version est sans doute la plus fidèle à l'original, donc de Manet, dont je n'ai pas de photo, mais que j'espère que vous connaissez, puisqu'on voit le causeur. Mais Picasso, comme vous voyez, a déshabillé tous les personnages. On retrouve à gauche le pique-nique, au fond la femme d'homme. Picasso, en fait, dépasse Manet et accouche de nouvelles œuvres. Le pari qu'il s'était donné était de taille, puisque s'inscrivant dans la lignée d'une tradition, il devait aller plus loin que ce que fit Manet avec Giorgione. Picasso a embrassé l'ensemble de la peinture du 19e et son grand triomphe, c'est d'être allé au-delà de cette tradition picturale et d'avoir établi sa propre indépendance et sa suprématie. Pour Manet, avec Giorgione, il s'agissait d'un rapport de peinture à peinture. Pour Picasso, c'est un rapport de peintre à peintre. C'est non seulement son pouvoir pictural qui est ici en jeu, mais également son pouvoir de démiurge, pouvoir de métamorphoser les objets de la réalité que sont tout aussi bien les tableaux de musée. Manet le libère du passé, lui redonne un nouvel élan créateur. C'est la dernière variation, la plus riche et la plus féconde. Je vous montre ici un autre exemple très différent, mais qui n'a donné lieu qu'à peu de tableaux, qui est l'enlèvement des Sabines, d'après David et Poussin. Une scène mythologique, une scène d'histoire, où on retrouve la violence guerrière. Donc, l'enlèvement des Sabines, deux versions, toujours d'après les maîtres anciens. Le peintre est son modèle. Picasso en a tellement peint, dessiné, gravé tout au long de sa vie et sous tous les angles possibles, que c'en est presque devenu, comme décrit Michel Léris, un genre en soi, comme le paysage ou la nature morte. En 1963-1964, il ne peint quasiment que cela. Le peintre, armé de ses attributs, palette et pinceau, la toile sur un chevalet, le plus souvent vu de profil, comme un écran, et le modèle, nu, assis ou couché, dans un atelier qui présente toutes les caractéristiques de l'atelier. Verrière, sculpture sur une sellette, paravent, lampe, divan. Autant de mises en scène qui ne correspondent en fait pas du tout à la situation réelle de Picasso, qui lui peint sans palette et sans chevalet, directement sur une toile posée à plat. Plus qu'une évocation de son propre travail de peintre, il s'agit donc d'une sorte de résumé de la profession d'artiste. Au mois de février 63, raconte Hélène Parmelin, il ne peint quasiment que cela, et comme un fou, jamais encore peut-être avec cette frénésie. À force de peindre ce thème, Picasso pousse la relation entre le peintre et le modèle jusqu'à sa conclusion ultime. Vous voyez ici que le peintre pénètre la toile jusque directement sur le corps de la femme. Le peintre étreint son modèle, abolissant ainsi la distance, l'obstacle de la toile et transformant la relation peintre et modèle en relation homme et femme. La peinture est un acte d'amour, écrit Gertschiff. Et John Richardson, le sexe est une métaphore pour l'art, l'art une métaphore pour le sexe. Encore une série dans un style de plus en plus allusif en mars 65, puis c'en est fini pour ce thème. Il semble que ce motif n'était qu'un prétexte, d'où le caractère souvent plus littéral que pictural, et parfois même anecdotique de cette série. Picasso raconte l'histoire de la peinture. Il dit, plus qu'il ne peint, ne pouvant peindre l'acte de peindre, et c'est pourquoi il privilégie souvent un style sténographique, une peinture-écriture en signes et idéogrammes.
À partir de 1964, la peinture est plus forte que lui, comme nous l'avons vu. Il la laisse couler, déborder, agir, sortir de la toile. Après ce corps à corps avec la peinture, il passe à la peinture du corps, puis au corps de la peinture. Ce sera donc la série des nus et des femmes, la peinture du corps. Après 1963, l'iconographie si riche et si variée des 10 premières années, qui puisait allègrement dans les images du passé, devient secondaire par rapport à la forme picturale. Ce sera dans les gravures que le récit va continuer. Il n'y a plus de référence directe au thème ancien, ni de composition à plusieurs personnages. Picasso privilégie les figures isolées, les archétypes, et se concentre sur l'essentiel, le nu, le couple, l'homme, déguisé ou mis à nu, une façon pour lui de parler de la femme, de l'amour et de la comédie humaine. Donc Picasso, à cette époque, peint le modèle seul, la femme nue, allongée sur son divan, offerte au regard du peintre, au désir de l'homme. Une des caractéristiques de Picasso par rapport à Matisse et à bon nombre de peintres du XXe siècle est qu'il prend comme modèle, comme muse, sa propre femme, celle qu'il aime, avec laquelle il vit quotidiennement, et jamais un modèle professionnel. Ce qu'il peint n'est donc pas un modèle de femme, mais la femme modèle. Cette différence a des conséquences aussi bien dans le domaine affectif que pictural, car la femme aimée est peinture et la femme peinte est la femme aimée. Il n'y a donc pas de distance possible. D'autre part, Picasso ne peint jamais d'après nature. Jacqueline, la femme omniprésente de ces années-là, ne peint, ne pose pas pour lui, mais elle est là, partout, toujours présente. Donc toutes les femmes de ces années sont Jacqueline, et en même temps, ce sont rarement des portraits. L'image de la femme qu'il aime est un modèle inscrit au fond de lui-même, qui ressurgit à chaque fois qu'il peint une femme, de la même façon que lorsqu'il peint un homme, c'est à son père, Don José, qu'il pense. Dans cette série des grands nus de 1964, je reviens en arrière, pardon, les références artistiques sont indirectes. Vénus, Maya, Olympia. La position de la femme au bras levé montrant ses aisselles rappelle en effet la Maya Desnuda de Goya et la présence du petit chat noir, l'Olympia de Manet. Ce petit chat noir n'est pas qu'un attribut érotique, puisqu'il s'agit d'un vrai chat que Picasso et Jacqueline avaient trouvé et recueilli à Mougins. Les premiers nus sont massifs, volumineux, allongés sur un lit et vus de profil, tout en offrant à la vue toutes leurs parties, les deux jambes, aux énormes pieds, les deux fesses, les deux seins, ce qui contraint le corps à se tordre, à se plier, pour occuper toute la surface de la toile. Donc Picasso reste fidèle au simultanéisme issu du cubisme, à ce désir de saisir la réalité sous tous les angles à la fois. Puis en 1967, il fait pivoter le corps tout en gardant le visage de profil pour le ramener à une vue frontale. Cette mise en perspective, ce raccourci qui présente au premier plan le dessous des pieds, l'oblige à répartir les membres autour d'un point central qui est le sexe. Tüm kolları uzuvları merkez bir nokta olan cinsel organın etrafında örgütlenmesine yol açıyor. Je reviens en arrière, voilà, pour montrer le raccourci. Bu kestirmeyi göstermek için. Voilà, de la femme allongée jusqu'à ce recentrage donc, sur le sexe féminin. Les femmes peintes de ces dernières années restent jeunes et attirantes, elles sont arrogantes, parfois comiques, ont des formes massives et rebondies, des proportions colossales, alors que dans les derniers dessins et dans les gravures, la vieillesse et la dégradation les atteignent parfois cruellement, tragiquement. Cette vision d'un corps morcelé, éclaté, et cependant uni malgré la dispersion, correspond à un certain état de l'érotisme féminin, proche de l'implosion, et à la volonté d'emprise que ressent Picasso, l'homme et le peintre, sur le corps de la femme, objet de désir et éternel sujet de peinture. Picasso est en effet le peintre de la femme. Déesse antique, alma mater, mante religieuse, baudruche gonflée, femme en pleurs, hystérique, corps lové comme un œuf ou abandonné dans le sommeil, amas de chair offerte, pisseuse réjouie, mère féconde ou courtisane, jamais peintre n'aura été aussi loin dans le dévoilement de l'univers féminin
dans la complexité de sa réalité et de ses fantasmes. La violence de l'érotisme féminin et masculin que Picasso matérialise dans sa peinture s'exprime de façon concrète dans le thème du baiser. Encore donc deux nus importants, toujours Jacqueline. Le baiser. L'homme et la femme, le couple infernal sous toutes les postures. Au fond, il n'y a que l'amour, disait Picasso. Et ces fougueuses étreintes, le réalisme cru de ces baisers, disent bien la place qu'occupe la passion physique dans sa vie. Dans ces baisers, en gros plan cinématographique, les deux profils sont confondus en une seule ligne. L'aîné s'entrechoque, se plie en forme de huit. Les yeux exorbités remontent vers le haut du front renversé, les bouches se dévorent. Gözler yuvarlarından dışarıya fırlıyor, ağızlar birbirlerini yiyorlar. De deux êtres, Picasso n'en fait qu'un, exprimant ainsi la fusion charnelle qui s'opère dans l'acte du baiser. Jamais la puissance érotique n'aura été suggérée avec autant de réalisme. Il met à nu, de façon totalement explicite, la sexualité dans les étreintes. L'art n'est jamais chaste, dit Picasso. Qui brandit son pinceau pour peindre en détail comme un graffiti, phallus et copulation. Cette série constitue le dernier hommage du vieil homme au plaisir sensuel et charnel de la vie. D'autres baisers, toujours aussi violents. Puis, dans l'étreinte du 26 septembre 1970, il présente la femme seule et une tête d'homme fantomatique. Le couple du 18 août 71 montre un vieillard impotent, soutenu par une femme. Il semble donc que l'amour ne soit plus possible. Pourtant, en juin 1972, surgit de nouveau, je vous rappelle, 72, c'est avant, un an avant la mort de Picasso. Picasso a 91 ans, une époque où il peint ce tableau. À l'hybride est plus l'image d'une bisexualité primaire, d'un état fusionnel, que d'un érotisme en action. Picasso aura poussé jusqu'au bout les mystères de la vie. Si la femme est donc montrée dans tous ses états, l'homme, par contre, apparaît toujours jouant un rôle ou déguisé. Peintre au travail ou mousquetaire matador, bardé de ses attributs de virilité, que sont la longue pipe, le sabre ou l'épée. Un dernier personnage surgit en effet en 1966 dans l'iconographie de Picasso et domine cette période au point d'en devenir l'emblème, c'est celui du gentilhomme du siècle d'or, mi-espagnol, mi-hollandais, vêtu d'habits chamarrés, portant fraises, capes, bottes et grands chapeaux à plumes. C'est arrivé quand Picasso s'est mis à étudier Rembrandt, dit Jacqueline Amalraux. D'autres sources ont été évoquées, mais qu'ils viennent de Rembrandt, de Velázquez, de Shakespeare, de la petite barbiche de son graveur Piero Cromlech ou de celle de son père, tous ces mousquetaires sont de toute façon des hommes travestis, des galants romanesques, soldats virils et arrogants, vaniteux ou dérisoires malgré leur superbe. Vêtus, armés, casqués, l'homme est toujours vu en action. Picasso, en fait, avec cette série, revient à ses premiers amours, aux acrobates et saltimbanques de sa jeunesse, les rangs marginaux, fragiles et androgynes, auxquels succèdent à la fin de sa vie des personnages de mascarade, gentilhommes burlesques du roman picaresque, héros baroque du grand siècle, aventurier chevaleresque. Rêveurs et nostalgiques, ils sont souvent associés au jeune Cupidon, armé de sa flèche, meurtrière, rappelant ainsi l'aiguillon du désir. Les fumeurs de pipe, au-delà du goût personnel de Picasso pour cet objet qui remonte au temps du cubisme, sont aussi une façon de pallier la frustration. L'âge nous a forcés à abandonner la cigarette, dit-il à Brassailles, mais le désir reste. C'est la même chose avec l'amour.
L'homme n'est plus pour Picasso donc le sculpteur jupitérien au fait de sa maturité, ni le monstrueux Minotaure, symbole de la dualité, mais un personnage de fiction, un fantoche de carnaval, dont l'identité et la vérité se trouvent dans le masque et dans les signes. Malraux rapprochait à juste titre ces figures de celles plates et emblématiques du jeu de tarot. Ce n'est pas sans humour, enfin, que Picasso crée ces personnages dont il suit les aventures amoureuses dans les gravures. Peindre en 1970 des mousquetaires, des figures ornementales dont les habits sont prétexte à des flamboiements de rouchons et de jaunes d'or, à la résurgence d'une hispanidade retrouvée. Le musicien retourne la guitare. Picasso est un des plus grands portraitistes du XXe siècle. Le portrait est une façon pour lui de se confronter avec lui-même, le peintre, jeune ou vieux. On trouve donc à cette époque de nombreuses séries de maternité et de paternité. Mère et enfant, vieil homme et enfant, père, mère et enfant, sainte famille qui rappelle les thèmes de la période bleue et rose. Plus Picasso vieillit, plus il se rapproche de son enfance. Dans les dessins et les gravures, l'adolescent innocent opposé au vieillard apparaît maintes fois. Et l'un des derniers tableaux... Et l'un des derniers tableaux qu'il a peint est celle du jeune peintre. Au seuil de sa mort, Picasso se projette dans cette vision floue, brossée en quelques traits sur une toile blanche, d'un jeune peintre timide et étonné, tenant son pinceau et portant l'éternel chapeau de l'artiste. Son pendant, légèrement antérieur, est le vieil homme assis. Portrait fatidique du vieux peintre, ce tableau flamboyant, qui condense en une seule image plusieurs références picturales, formelles et symboliques, représente en fait le plus émouvant et le plus tragique des autoportraits. Portrait du vieux peintre à la fin de sa vie, mais aussi de Matisse, évoqué par la blouse roumaine, c'est le morceau que vous voyez à droite, donc qui fait allusion à la blouse roumaine de Matisse, de Van Gogh, le chapeau, de Renoir, la main tronquée, comme vous voyez, et de Cézanne, le jardinier Valier. Tous ces peintres sont réunis ici pour dire le drame du peintre au seuil de la mort, l'accablement du savoir et le poids de l'être, la solitude et la nostalgie d'un regard qui a tout vu et au dernier moment se souvient des images essentielles, la passion violente en fin de la peinture à laquelle l'un sacrifia son oreille, Van Gogh, et l'autre les mains, Renoir. Mais Picasso reste Picasso jusqu'au bout et l'élan vital qui l'anime transforme la vieillesse en apothéose dont témoigne la véhémence du pinceau, les tourbillons de couleurs fauves, les ratures et les dégoulinures de matière. Voilà. Je vous montre encore quelques nus donc de 71, toujours caractéristiques donc, de ce style tardif, l'homme au vert et la sérénade, donc le motif de la musique et de la guitare. Donc, un paysage, un des rares paysages que Picasso peignit à la fin de sa vie. Comme vous le savez, Picasso ne fut pas un grand peintre de paysage, obsédé qu'il était par la figure humaine. Mais ce tableau est très représentatif du style tardif de Picasso, de cette façon de faire coïncider une écriture un peu sténographique avec des flèches, des arêtes de poissons. Je crois qu'on en voit plusieurs donc, dans l'exposition, avec une matière picturale extrêmement vivante et organique. Autre caractéristique de ce style tardif, ce nu couché, donc très explosif, qui montre un sexe un peu en fusion, des ombres étranges qui courent sous le corps de la femme, un nu allongé sur la plage devant la mer. Une image assez tragique aussi qui ressemble un peu aux trois parcs, les trois personnages, qui pourraient être les trois âges de la vie, où il arrive à condenser sur un seul corps trois figures de femmes, une sorte de sorcière un peu à gauche, et au milieu un personnage forme d'autoportrait de style cubiste, et à droite toujours un peu ce vieux peintre barbu. Donc cette figure très étrange et très symptomatique donc, de cette dernière période.
Et il ne reste plus donc qu'un visage à affronter, c'est celui de la mort. Et pour ce faire, Picasso va lui donner son propre visage et la pluralité de ses styles. Cet autoportrait très impressionnant, qui est à la fois une forme de crâne, hein, donc vraiment sous le visage, et sous le portrait de Picasso, on devine le crâne, est un de ses derniers autoportraits. Le style tardif est un langage d'urgence. Le caractère le plus frappant de la période tardive est sans conteste la vitalité. Elle se traduit par la prodigieuse quantité de la production et par la rapidité, la véhémence de l'exécution, l'une étant le corollaire de l'autre. Je vous remonte des images. À preuve de la quantité, quelques chiffres à mettre au compte d'un homme de 88 ans dont la fécondité à cet âge reste exceptionnelle dans l'histoire de la peinture. 347 gravures entre mars et octobre 68, 167 peintures entre janvier 69 et janvier 70, 194 dessins entre décembre 69 et janvier 71, 156 gravures, etc., etc., 201 peintures entre septembre 70 et juin 72. Un autre exemple, sur les 23 volumes du catalogue raisonné de Christian Zervos, 13, c'est-à-dire presque la moitié, plus de la moitié, sont consacrés aux 20 dernières années. Quant à la rapidité, une des causes de la quantité, l'autre étant le principe de la répétition, elle est le signe du sentiment d'urgence qui habite Picasso à ce stade de sa vie. Accumulation et vitesse sont les seuls moyens de défense qui lui restent dans sa lutte sans merci contre le temps. Chaque œuvre créée est une part de lui-même, une parcelle de vie, un point gagné contre la mort. J'ai de moins en moins de temps, dit-il, et de plus en plus à dire. Ce qui lui permet de gagner du temps, d'aller plus vite, c'est le recours à la convention, à l'abréviation formelle, à la figure archétype qui concentre l'essentiel de son discours. Donc ce style tardif, donc, qui apparaît, on l'a vu, au cours de l'année 64, se caractérise par la juxtaposition de deux écritures picturales. Un style sténographique elliptique fait d'idéogrammes, de signes codifiés dont on pourrait dresser l'inventaire, et une peinture matérielle, épaisse et fluide, brossée hâtivement, avec des dégoulinures, des empattements, des traces de pinceaux apparentes. Picasso associe donc une écriture-peinture à une peinture-peinture, une sorte de picturalité littérale qui met à nu et laisse agir la matière. L'élaboration de ce graphisme primaire, on l'a vu, s'est faite dans les ateliers. Je reviens donc sur quelques exemples. Des Ménines. Puis va s'accomplir dans Le peintre et son modèle de 64. Voilà, car à l'époque, le visage du peintre est souvent suggéré par une sorte de X qui relie les yeux, le nez et la bouche, et le modèle est réduit à ses contours essentiels. Picasso dit un point pour le sein, un trait pour le peintre, cinq taches de couleur pour le pied, quelques traits roses et verts. Ça suffit, non? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire plus? Qu'est-ce que je peux ajouter à cela? Tout est dit. Ce schématisme, ces raccourcis correspondent au désir de peindre et de dessiner en même temps. Je cite Picasso encore. Il faut à la fin, quand on regarde, que le dessin et la couleur, ce soit la même chose. Et également une volonté de simplification. Il dit encore, en ce moment sur mes toiles, j'en fais de moins en moins. De moins en moins de peinture aussi, d'où ces couches très minces et légères, et l'importance accordée au blanc de la toile. Pour Picasso, peindre, c'est dire, d'où ses propos. Ce qu'il faut, dit-il, c'est nommer les choses. Je veux dire le nu, je ne veux pas seulement faire un nu comme un nu, je veux seulement dire sein, dire pied, dire main, ventre, trouver le moyen de dire et ça suffit.
C'est donc pourquoi, au fur et à mesure de sa recherche, il va adopter ces signes codifiés qui résument et signifient chaque partie du corps et dont l'image entière exprime le nu. Cette nouvelle manière de peindre, dans laquelle certains n'ont vu que gribouillage incohérent, je cite une phrase qui a été dite à l'époque par un critique, ouais. Gribouillage incohérent exécuté par un vieillard frénétique dans l'antichambre de la mort. Ouais. Ce qui est en fait contredit par la virtuosité et la sûreté d'exécution des dessins et des gravures de la même époque. Donc cette nouvelle manière de peindre est tout à fait délibérée. Elle est le résultat d'un long acharnement à faire parler la peinture, à se soumettre à ses propres lois. Il faut se débarrasser de l'art, disait Picasso. Moins il y a d'art et plus il y a de peinture. Ce désir de perdre le contrôle, de décider de moins en moins, « je ne choisis plus », dit-il encore, est une autre caractéristique du style tardif, comme en témoignent les propos de Matisse qui déclare à la fin de sa vie vouloir céder à l'instinct et regrette d'avoir été freiné par sa volonté, d'avoir vécu la ceinture bouclée, c'est une phrase de Matisse. Le grand âge est en effet pour certains la possibilité d'une résurrection, d'un second souffle. Libéré du passé, et on l'a vu, Picasso lui a magnifiquement réglé son compte, le vieux peintre peut tout se permettre, transgresser les lois, enfreindre le métier, puisque plus rien dans sa vie physique ne lui est permis. Une des preuves de la nouveauté de ce style en est le blocage perceptif de la part du public. Ce ne sont pas les déformations qui l'ont troublé. Picasso était allé autrement plus loin dans ce domaine entre 1939 et 1943, mais bien la manière de peindre, l'apparent non finito, le caractère d'esquisse, de brouillon, l'aspect bad painting que seuls les peintres, sachant vraiment peindre, peuvent se permettre. Il faut savoir être vulgaire, peindre avec des gros mots, disait Picasso. Et, autre citation, chaque jour je fais pire. Ce qui se traduit par une peinture sale, boueuse, avec des aplats écrasés, des contrastes violents de couleurs pures, et la création de monstres hybrides dans lesquels l'humain se fond à l'animalité la plus fruste. Je pense à cet exemple. Paradoxalement, ce style bâclé donne parfois naissance à une peinture onctueuse, fluide, raffinée, digne des grands Espagnols, à de subtiles gammes de rose, bleu, gris, pâle et tendre, couleur de l'enfance. Je pense par exemple au musicien, voilà, ce musicien, donc, un exemple donc, d'hommage à la peinture espagnole. Cet argot de l'art dont parle David Sylvester, ce refus du conformisme, de l'enfermement dans un style, dans l'élégance, sont la dernière manifestation de l'anarchisme irréductible de Picasso. Après avoir tout appris, il faut tout oublier. La peinture reste à faire, disait-il, comme si elle n'était encore que dans une phase primaire, comme si ce style tardif était la mise en forme du chaos, une peinture des origines qui donne de l'informulé les images essentielles. L'autre élément caractéristique de cette dernière période est le recours à la répétition comme mode de création. Picasso a toujours privilégié la série et les variations par rapport au concept de chef-d'œuvre unique et achevé. Avec les variations sur les maîtres anciens, on l'a vu, il systématise le procédé. L'œuvre est l'ensemble des toiles sur le même thème et chacune d'elles n'est qu'un maillon de l'ensemble, un moment suspendu de la création. Ce qui l'intéresse, dit-il, c'est le mouvement de la peinture, l'effort dramatique d'une vision à l'autre, même si l'effort n'est pas poussé jusqu'au bout. J'en suis arrivé au moment où le mouvement de ma pensée m'intéresse plus que ma pensée elle-même, dit-il.
À ce propos, je fais un petit encart sur certaines toiles de l'exposition, dont certains ont pu relever en effet le caractère inachevé, bâclé, assez troublant. Et le problème, pardon de le dire, c'est que souvent, comme le dit Picasso lui-même, c'est un élément d'une série. Et de ne voir qu'un tableau et ne pas voir l'ensemble est problématique pour le public, car il pourrait s'arrêter à cet aspect bâclé, enfantin, non fini. Et l'œuvre est souvent l'ensemble de la recherche et des variations pour arriver à dire quelque chose. Ce vagabondage de l'esprit, ce refus de la fixité de l'achèvement, qu'il traduit par la formule « finir une œuvre, c'est l'achever », la tuer, lui enlever son âme, lui donner la puntilla, comme on dit dans la corrida au taureau, est significatif de son rapport au temps, à la durée. Le rôle de la peinture, écrit, dit-il, c'est d'arrêter le mouvement. La vitesse, dira Octavio Paz, lui permet d'être à deux endroits à la fois, d'appartenir à tous les siècles, sans lâcher le lieu et l'instant présent. Picasso n'est pas le peintre du mouvement dans la peinture, il est plutôt le mouvement devenu peinture. Il peint par nécessité urgente, et surtout ce qu'il peint, c'est l'urgence. Il est le peintre du temps. La répétition, signe d'un art conceptuel qui s'intéresse plus au mécanisme de la création, au procédé qu'au résultat, est aussi pour lui une recherche de la perfection, une façon en explorant la pluralité des styles d'atteindre la vérité. Si je cherche la vérité dans ma toile, je peux faire 100 toiles avec cette vérité. Toujours Picasso. Je fais 100 études en quelques jours, tandis qu'un autre peintre peut passer 100 jours sur un seul tableau. En continuant, j'ouvrirai des fenêtres, je passerai derrière la toile, et peut-être quelque chose se produira. Ce processus de la répétition des variations est une forme d'extrapolation du cubisme dans l'espace et la durée, puisque dans la même toile, à la vision simultanée d'un objet sous toutes ses faces, succède la multiplicité des toiles sur le même sujet. Donc cette dernière période de Picasso pose le problème de la vieillesse en peinture et de la jeunesse de l'œuvre, de la fin et du commencement, c'est-à-dire de l'actualité de ces dernières toiles, de leur résonance possible sur l'art d'aujourd'hui. Peut-on dire de Picasso, comme Baudelaire l'a dit dans une formule ambiguë de Manet, qu'il n'est que le premier dans la décrépitude de son art ? Nous avons vu que le dernier Picasso présente toutes les caractéristiques du style tardif des grands peintres que l'on retrouve par exemple chez Titien, Rembrandt, Goya ou Cézanne. Tendance à la simplification, concentration sur l'essentiel, liberté totale vis-à-vis de la manière, du style, prépondérance du passé et retour tardif de l'initial, ce qui se traduit chez lui par la remontée sous une autre forme du sentiment expressionnisme et des thèmes de la période bleue, par des couleurs crues aux contrastes aigus, une écriture primaire et véhémente, et surtout par l'identification du peintre à sa peinture, du sujet à l'objet. Le grand âge est souvent une forme de retour à l'immédiateté de l'enfance, à la force convaincante de la naïveté et à une certaine fraîcheur de vision. Juvénilité que la psychanalyse expliquerait par la liquidation du refoulé, le meurtre du père, a-t-on écrit à propos de sa relation avec les maîtres du passé, et l'affirmation du principe de plaisir, résultant de la libération de l'instinct vital, qui coïncide enfin avec l'objet du désir. José Bergamin divise l'œuvre de Picasso en 3 étapes. Le repliement, qui serait le cubisme, la fureur, l'époque de Guernica, et l'extase, qui pourrait donc correspondre à cette dernière période.
trois étapes qui correspondent également aux trois âges de la vie. Et c'est bien d'extase qu'il s'agit dans cette œuvre, où Picasso affirme plus que jamais la dimension érotique de la vie, dans l'amour comme dans l'art, peint avec une furia jamais vue. Je vous montre ici, pour terminer, cette fameuse dernière période qui fut présentée au Palais des Papes, à Avignon, en 1970-72. Et vous voyez un peu l'accrochage très particulier que faisait Picasso de ces tableaux superposés et qui faisait un immense décor. Et qu'en fait, il est difficile d'isoler les tableaux. Que pour lui, vraiment, cette période, c'est tout cet ensemble de toiles. Donc, cette dernière période d'Avignon, qui a été très 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 critiqué comme on l'a vu et qui n'a été réévalué que très tardivement, un petit peu milieu des années 80, avant cette exposition au Centre Pompidou de 87. Christian Gellart à Bâle avait fait également une exposition sur la période tardive et Gertschiff à New York. Donc l'un faisait commencer la dernière période en 63, l'autre en 53, donc c'était soi-disant soit 20 ans. Nous, au Centre Pompidou, nous avions désiré montrer les variations sur les maîtres anciens pour montrer que cet exercice pictural lui avait permis de se libérer et d'arriver à un nouveau style de peinture. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les jeunes peintres donc des années 70, qui étaient encore très soumis à l'influence maticienne et au formalisme, ont bien sûr détesté cette période, et que les nouveaux fauves et le retour à l'expressionnisme allemand du milieu des années 80, ce sont les peintres, comme Baselis ou d'autres peintres américains, qui ont redécouvert cette dernière période de Picasso. Voilà. Je crois qu'on va en rester là si on va avoir le temps de poser quelques questions sur cette dernière période, dont vous voyez quelques exemples dans l'exposition. C'était tout le meilleur. Nous remercions vraiment beaucoup Marie-Laure Bernadac. Et donc, je crois que pour vraiment comprendre Picasso à ce point-là, il faut vraiment avoir passé du temps tête-à-tête avec ses œuvres. Nous la remercions vraiment beaucoup. Elle nous a fait connaître qu'elle me permet de dire qu'elle m'a permis de connaître un Picasso sous un tout à fait nouvel angle. Et tout ce qu'elle a raconté sur sa dernière période est vraiment très importante. Et sa dernière exposition, nous l'avions expliqué dans le panneau, elle nous l'a représenté. Je la remercie vraiment pour. Merci.